salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer Top Gear Overdrive sur N64 avec une bien bourrin qui déchire sa maman. Et directement c'est spoilé, c'est magnifique avec une jolie F40. Donc on avait joué à Top Gear 1, Top Gear sur Game Boy, Top Gear, enfin voilà. On n'a pas joué à Top Gear Rally 2, on le fera un jour, vous inquiétez pas. On va jouer donc à Top Gear Overdrive sur 64 cette fois-ci. On va voir un petit peu les réglages. Alors on peut voir des configurations de contrôle. On va revenir en arrière parce qu'on s'en fiche un petit peu, mais voilà, on peut voir que pour accélérer, c'est ce bouton-là, break c'est ici, shift c'est ici, nitro on peut utiliser vers l'avant. Regardez derrière, c'est la touche R, change cam c'est le bouton C sur les côtés. On peut changer par défaut, on va laisser comme ça, très bien. On peut changer la configuration du son. Alors ce que je vous propose de faire, c'est baisser un petit peu le son de la musique, qui est quand même un peu fort. On va faire OK. Et ce qu'on va faire aussi, c'est... Alors, brightness... Oui, on peut l'augmenter ou le baisser. Alors ça, j'ai pas trop compris le délire, mais bon, on peut le faire. On va laisser en off. Vous allez voir que c'est quand même très bien comme ça. On peut choisir le mode haute résolution, full, off et half. Donc on va laisser en... Pour l'instant, on va le mettre en off. Vous allez voir plus tard ce que ça donne. On va revenir en arrière. On va faire donc le mode championnat. Et donc en mode un joueur, on peut jouer jusqu'à 4 puisqu'on est sur Nintendo 64. Et donc c'est parti. Et dès le départ, donc on va jouer avec. Soit avec une Volkswagen Coccinelle, soit une Toyota Supra. Pour l'instant, on n'a que ça. On va évidemment débloquer des voitures au fur et à mesure du jeu. Je vais prendre la Coccinelle pour le moment. Je crois qu'on peut pas. Si, on peut changer la couleur. Alors pour changer la couleur, je ne sais plus où c'est. Ah voilà, c'est ici, regardez, et en plus c'est vachement joli, ce qui est pas mal aussi, c'est comme dans le 1. C'est qu'on peut vraiment voilà, choisir la couleur au millimètre près. Alors moi j'aime bien en jaune, hein, ça me fait penser à... comment ça s'appelle? Le jeu de la Coccinelle, Beetle New Adventure, un truc comme ça, on avait joué il y a longtemps. On peut utiliser en noir. Personnellement je vais laisser comme ça. Et on va faire en automatique. Alors, vous voyez, on est en Season Race 3 parce que j'ai déjà fait deux courses, mais vous allez voir directement la troisième qui sont déjà un peu plus intéressantes. Sachant que pour passer à la troisième course, hein, pour passer aux courses suivantes, faut terminer sous le podium. Si vous finissez trop loin, là vous devez recommencer en boucle. On voit qu'il fait beau, donc pour l'instant c'est cool. Et on est donc sur le circuit de Swampy Depot, et vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes dans ce mode de jeu. Allez, au départ, c'est parti. Donc en voiture est déjà un peu amélioré parce qu'au départ on a une animation minimum et au fur et à mesure que l'on réussit les courses, on gagne de l'argent et avec cet argent on peut en profiter pour acheter plein de trucs. Et vous voyez dès le départ j'ai cassé des trucs, je vais même casser le bateau si je veux. Ah non, ça va pas marcher cette fois-ci. Vous allez voir qu'on pourra le faire dans le tour suivant. Alors la musique est pas mal, elle met dans le thème, c'est ultra bourrin. Donc c'est des courses de voiture tout simplement, on part avec une place un petit peu en arrière. On a 12 concurrents contre nous. Et le but, c'est sur 3 tours de remporter la course. Et vous voyez, c'est quand même ultra arcade. La voiture a des mouvements très très faciles, très simplifiés. On a un boost, vous pouvez voir par exemple qui a été utilisé sur la voiture devant moi. Et ce boost, on peut en récupérer au fur et à mesure des tours. Et on peut l'utiliser et en avoir un nombre choisi au départ. D'accord, quand vous améliorez votre voiture, je vous montre un peu plus tard. Mais vous pouvez choisir par exemple d'avoir 4, 5, 6 turbos dès le début. Sachant qu'à chaque tour, on vous rajoute un turbo pour utiliser. Donc je vais vous montrer un peu ça dès qu'on sera sorti du premier tour parce que c'est pas très facile. Là, je vais l'utiliser. Hop là, alors c'est très léger le turbo, hein, ça, voilà, ça augmente un tout petit peu la vitesse, mais quand vous êtes à fond, ça sert pas à grand chose. Je trouve que ça sert plutôt pour accélérer quand on est vraiment. On est vraiment mal, comme par exemple ici. Je suis complètement loupé. Donc là, je vais l'utiliser, voilà, comme ça je m'en sors un peu plus vite. Là, je fais n'importe quoi. Alors les courses sont pas forcément évidentes, hein. Au début on a l'impression que c'est super facile, mais en fait il faut quand même s'accrocher pour remporter les courses ou finir troisième. Ouais, par exemple j'ai failli me prendre le mur. Les voitures peuvent s'exploser aussi. Alors on voit pas de dégâts visuels à ce niveau là, mais les voitures peuvent être totalement détruites si on prend un obstacle à grande vitesse. On va rattraper un ticket de 4, on va essayer de le dépasser. Alors,
un Yilfred, donc on va en profiter pour faire pareil parce que je ne connais pas encore très bien ce tracé. Alors le jeu est extrêmement fun à jouer, vraiment je vous dis le maniement est cool, on s'amuse plutôt pas mal, le circuit commence à être intéressant au fur et à mesure du jeu. Bon, au début ils sont assez plats, assez simples, ça fait un petit peu tutoriel, mais après ils commencent à avoir des... Voilà, hop là, on est passé. Alors il faut savoir aussi qu'on a donc 12 concurrents, mais des voitures, voilà, voilà. J'ai pas le droit de parler. Là par exemple on s'est crashé. On a 12 concurrents, mais il y a des concurrents qui sont tellement lents, on va leur prendre un tour rapidement. C'est que vous avez dépassé les voitures devant vous, mais en fait vous n'avez pas eu une position, parce que c'est des voitures qui sont déjà à un tour. Alors je vous le dis d'avance, pour moi c'est le meilleur Top Gear Rally, en tout cas entre le premier, le 2 et l'Overdrive. Tout simplement parce que voilà, ils sont pris un petit peu moins la tête, il y a un petit peu moins de choses à faire effectivement, c'est un petit peu moins complet. Mais on s'amuse plus. Voilà, tout simplement, je vois que le maniement a été revu, c'est pas mal. Les graphismes sont corrects aussi, bon, les 64. C'est normal pour la 64, hein, je veux dire, c'est pas plus beau qu'un autre jeu, c'est pas plus moche qu'un autre jeu, c'est correct. Voilà, en plus, pas moins. Mais il faudrait que je remonte un peu, sinon, rien à la merde. Alors, il y a du destructible hein, sur le circuit, mais vraiment, vous l'avez pas vu. On verra ça sur d'autres tracés, je pense. Et là, j'ai plus de nitro, donc ça va être compliqué. Et on va finir 4ème, est-ce que ça va passer? Non, je crois pas. On gagne de l'argent, donc on gagne 2000$. Cet argent on va pouvoir l'utiliser pour améliorer. Alors on a fini la coupe, donc ils nous ont accepté le fait qu'on finisse 4ème, donc en fait je me suis trompé, c'est pas être promis spécialement. Et on a droit à un magnifique feu d'artifice. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la course, on a fini 3ème à la première, 2ème, promis à la 2ème et 4ème à la 3ème. Et du coup on a gagné de l'argent, 3500. Avec 3500, pour voir, je peux améliorer donc le maniement, le handling, je peux améliorer l'accélération, je peux améliorer la vitesse maximum, je peux rajouter de la nitro au démarrage, je peux en avoir une tonne si je veux, et je peux aussi acheter une nouvelle voiture. Donc, par exemple, si je veux acheter une nouvelle voiture, je peux acheter celle-là, donc plutôt Supra, je peux acheter celle-là qui n'est pas encore disponible, il faudrait que j'ai beaucoup plus d'argent et que j'avance un petit peu dans le jeu. Pour l'instant, vous voyez la différence. Ça, c'est une voiture, normalement, quand la Volkswagen, je l'ai achetée au début. Elle avait à peu près ses mêmes stats. La seule différence, c'est qu'elle avait le handling qui était à 3 et le braking qui était à 1. Maintenant, vous pouvez voir que ça a été quand même pas mal amélioré. Donc, on va garder pour l'instant cette voiture. J'aurais pu améliorer un petit peu d'ailleurs encore. Allez, c'est la saison 2, on va voir la première course. On est sur un circuit sur la neige. Alors le Gentleman Statue Engine, évidemment, ça vous fera penser, enfin, j'imagine, ça fera penser à Daytona USA sur Dreamcast ou sur Saturn, ou même sur console arcade, ouais, évidemment. Et du coup, je trouverais plutôt pas mal comme allusion. Oh, alors, on s'est pris la cocotinelle. Quel début. Alors ça glisse, hein, ouais. On voit qu'il y a quand même une petite différence de maniement sur la glace. Donc ça, c'est un petit détail qui est toujours sympa. C'est-à-dire on est dans des conditions extrêmes, du coup le maniement il devient aussi. Alors la gestion des chocs est quand même très très basique, ça reste de l'arcade pure. Et vous voyez, on a du destructif, on peut casser quelques trucs. Et il y a aussi des raccourcis. On peut choisir par exemple d'aller à droite ou à gauche dans certains passages qui nous font gagner ou perdre du temps, bah, en condition évidemment de bien les négocier. Là par exemple, bon bah c'est comme ça complètement loupé, donc du coup ça n'a pas trop marché. Je vais mettre un petit peu de boost quand même, parce que je perds beaucoup de temps. Attention. Ouh, bah là, je sais pas ce qui s'est passé, la caméra a complètement changé. Il a détecté, j'étais complètement parti au loin, bon, pourquoi pas. Alors, le fait que ça glisse énormément, c'est quand même pas évident. Oh, regardez-moi ça. Je suis à peine 9ème, hein, c'était vraiment mauvais. On va essayer de bien contrebalancer le manque de rythme. Oh, regardez-moi ça, j'ai fait n'importe quoi. Alors on a les positions de toutes les voitures sur le tracé pour voir exactement où on en est, où est le leader, etc. Donc ça c'est pas mal, c'est un point de détail quand même, c'était sympa. On peut changer, bien entendu, la vue, en faisant une vue intérieure.
On aura une vue avec le rétroviseur aussi. Une vue un peu comme ça. Et une vue voilà, un peu plus éloignée. J'aime bien garder cette vue, c'est la plus pratique. Mais si vous voulez plus de sensations, vous pouvez mettre la vue intérieure. En général, donne l'impression de vitesse. Je me suis pas encore doublé. Eh ben décidément, on n'est pas très loin sur ce circuit. Je vous montrerai après le mode haute résolution. Alors, la haute résolution, c'est un petit peu bizarre, vous allez voir. Moi, j'ai vraiment pensé qu'il fallait mettre le... Pas le Rumble Pack, mais le Rumble Pack, c'est pour la vibration, il me semble. C'est le... Memory Pack. Extension Pack. Je sais pas comment on dit, Extension Pack. Pour, justement, augmenter la mémoire vidéo de la 64. Et ça permettait, dans beaucoup de jeux, d'avoir des textures qui étaient beaucoup moins floues, beaucoup plus précises, puisqu'il y avait un cache mémoire plus élevé. Et dans ce jeu, alors je pense que je l'ai activé, je sais pas, ça c'est pas bizarre. Là par exemple il est pas activé, on n'est pas en mode haute résolution. Donc vous voyez le jeu est assez pixelisé. Et on va voir en fait après en testant le mode full ce que ça peut donner. De toute façon là je suis vraiment loin donc je pense pas qu'on va... Le jeu va me valider le passage à la deuxième course. Enfin, dans le cas où ça serait pas le cas, de toute façon je dois vous montrer ce mode full résolution. Aïe, bah décidément, j'y arrive pas, hein. Décidément, me fait avoir à chaque fois au même endroit. Oh, c'est trois fois d'affilée, hein, je le pense, c'est quatre fois. On va quand même essayer de repasser, mais vous voyez, j'ai pas gagné de place, déjà, je me suis qu'il y a un tour. Malheureusement pour moi, c'est un petit peu mort. Oh, j'ai touché là. J'ai encore touché. Et je me suis fait complètement démolir la bagnole. Alors, bon, c'est pas grave, on va finir la course, mais à mon avis, ça sera pas validé. Alors, vous avez vu, quand il y a un danger, on a un petit klaxon qui nous fait un petit bruit, comme ça. Et d'ailleurs, ce petit bruit, c'est marrant, c'est le même bruit que l'on a dans V-Rally, quand on valide une option qui n'est pas disponible. Après, j'ai gagné de l'argent. J'ai New Car, oh non, on va appeler un Don. Et je crois que je vais refaire la même. Oui, Race 1, voilà, donc on va devoir se reprendre la même. Je pense qu'on va faire quitter. On va faire start dès le début, voilà. Voilà, et là on va faire exit tout simplement. Je vais vous montrer donc le mode haute résolution, full half et full, bon, enfin full. Vous allez voir, hein. C'est pas particulier. C'est pas vraiment ce que j'appelle la haute résolution, mais bon. Allez, championnat, on reprend notre championnat en cours. Et si vous voulez, on va prendre ça là pour une fois, on va prendre la. L'Eclipse Supra, enfin elle est un petit peu bizarre je trouve. Comme voiture, on dirait un mix entre deux voitures. Oh, c'est pas bon. Allez c'est parti. Et là vous voyez on est en full résolution. Mais full résolution j'ai l'impression que c'est plutôt la taille de l'écran qui a été réduite. Qui donne l'impression que la résolution est meilleure. Mais en fait il n'y a pas beaucoup de différence hein, si vous comparez avec le vue d'avant et après. Il n'y en a pas. On essaiera le mode half, on verra ce que ça fait. Alors half ça se trouve demi, ça va faire juste la moitié de l'écran, je sais pas trop. Alors vous pouvez remarquer aussi que le bruit du moteur a changé, donc ça c'est encore un détail que j'apprécie. C'est qu'ils n'aient pas eu la flemme de faire un son similaire pour toutes les voitures. Par contre le son est dégueulasse. Là par contre, je ne vais pas dire que le son est très entraînant. Donc cette voiture normalement est plus rapide de base, enfin il me semble plus rapide mais elle n'est pas améliorée donc il va falloir nous-mêmes faire le fort de... Oh, mais c'est pas possible. A chaque fois je me prends le... Je sais pas, c'est bizarre, je suis peut-être trop rapide dans ce virage, on verra pourquoi ça fait ça. Alors de base elle a un maniement qui est meilleur donc logiquement j'aurais mieux m'en sortir. Alors, on est à peine 7ème. Que je termine peut-être dans le top 5, je sais plus exactement quelle place il faut pour valider notre passage à la prochaine course. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que souvent les panneaux de dernier tour, enfin le panneau au-dessus de la ligne d'arrivée, changent au niveau de ce qui communique. Bon, souvent c'est juste des stations à aller plus vite, hein, genre plus vite, à cause de gap, enfin c'est des choses... pousser à faire encore mieux. Je suis content, ok. On va prendre la cinquième place peut-être. Et j'ai pris le mur, je m'en serais douté. Il va
falloir éviter de faire 4 fois la même erreur quand même. Non mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Ça fait 10, ça fait tout le temps que je me suis pris. Pourtant je savais que c'était là, hein. Je me suis dit bon je sais prendre plus avant, bah non, la voiture a tiré tout droit, encore une fois. Aïe. Et voilà, dernier tour. Sinon bah que dire de ce jeu, pas grand chose, hein. Il y a du contenu débloquable, alors pour ça on n'y est pas, puisque on est pas au début du jeu. Mais on peut donc débloquer des circuits, des voitures. Le mode de joueur, bah évidemment je pourrais pas vous le montrer puisqu'il faudrait un ami, comme d'habitude. Mais je pense que bon voilà, ça va être un mode de course, peut-être un mode de jeu différent, je sais pas trop. Il faudrait qu'un jour vraiment on joue à Top Gear Rally 2 parce qu'il est quand même rempli de détails ce jeu qui vaut pas mal le coup. Même si j'ai trouvé, enfin, vous verrez quand on fera la vidéo, il y a quelques défauts un peu inhérents qui étaient un peu les... Ah quand même, qui étaient un peu les mêmes par rapport au premier. Bon là on va pas se faire avoir, on va aller doucement. Voilà, tranquillement. Bon, on est cinquième, c'est pas terrible mais c'est toujours jamais mieux que tout à l'heure. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'il va nous accepter la cinquième place et du coup nous permettre de passer à la suite? J'ai pas l'impression. Alors, donc, on a 3500 de cash. On va améliorer le maniement. Donc on va passer ici, voilà. Le top speed, bah pourquoi pas. Et on va donc faire P1 done. Et bah on est toujours bloqué à la même course. Mais l'avantage c'est qu'on peut améliorer sa voiture au fur et à mesure. Et bien on va pouvoir tenter de faire mieux à chaque fois. Enfin, je suis un petit peu déçu de rester sur la même course parce que du coup vous voyez pas l'autre circuit. Mais bon, on va essayer de se concentrer quand même pour finir cette fois-ci dans une bonne position. Ouais, les voitures autour de la 9ème à la 12ème place n'ont aucun intérêt réel. Hein. On n'était pas ce dès le début. Donc il faut finir dans les 3 premiers ou 4 premiers. Normalement j'améliorerai le maniement donc ça devrait être plus facile. Non ça c'est pas possible par contre. S'il vous plaît quoi. Pas ce genre d'accident alors que c'est nickel. Des fois j'ai un petit peu du mal à comprendre les comment ça s'appelle la zone morte. C'est-à-dire quand je dis zone morte, c'est pas zone morte quand tu as un volant. Des zones, c'est le zone où critique où le jeu va valider le fait que voilà. Par exemple typiquement pourquoi là il me détruit la voiture quoi. Enfin, je suis allé trop vite, je sais pas. Et un peu incompréhensible des fois. Le pire c'est que là je perds énormément de temps donc pour terminer 3ème ça va être compliqué. Alors ça manque de mode de jeu aussi ce topus, c'est un petit peu long. Ah non là franchement je commence un peu à avoir accusé sans déconner. Ah, si je peux même plus prendre une bosse sans exploser la voiture, qu'est-ce que je fais quoi. Je vais en bas où. Oui ça manque un petit peu de mode de jeu, voilà, il y a enfin, mode solo, donc solo c'est juste le mode de championnat. Et ça c'est quand même dommage. Parce qu'il y a vraiment quoi faire dans ce genre de jeu. C'est bon, il a accepté. Ok, parfait. On va avancer. Il faudrait que je tente des fois peut-être de prendre l'autre côté. Hein. Il y aura quoi aussi sur le côté, peut-être que c'est pas mal. On gagne peut-être du temps. Il y a des raccourcis qui marchent plutôt bien. Voilà, c'est ici. Là. Je vais venir. Voilà, c'est bon. Mais bon, là, il a accepté. Youpi. Je crois que j'ai planté derrière, c'est un peu bête. Alors, hop. Dernier tour, on est 7ème. On peut encore remonter, c'est possible. Alors de là à la 3ème place, je pense que ça va être compliqué quand même. Alors c'est vrai que je roule comme un bourrin, hein. Je pense qu'il fait encore plus fin. C'est un peu le piège qu'on avait aussi dans les séries des Tour Speed, c'est de dire bon, on peut aller comme des bourrins un peu à la fin. Mais en fait, vous perdez tellement de temps étant bourrin. Faut plutôt être calme des fois et ça se passe beaucoup mieux. Allez, 5ème position, grab. C'est bon.
Là, j'aurais dû tenter le raccourci, mais pour des raisons dont je ne détaillerai pas, parce que je ne connais pas, j'ai encore oublié de le prendre. Voilà, fond. Attention, attention, on a la descente. Voilà, c'est bon, c'est passé. C'est un peu trop tard, on va encore finir 5ème, hein, mais bon. Ah zut, il faudrait vraiment qu'on la gagne cette course. Hein. On va encore finir 5ème, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. On va se rajouter de la nitro, hein. Qu'est-ce que je vous dis, je vais en rajouter 5. Et on va encore tenter. Oui, je vais pas choisir. Hein. Ah mais si, on peut choisir. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien. Bah écoutez, on va faire ça. On va choisir le nouveau circuit. Je pensais qu'on était obligé vraiment de recommencer pour pouvoir aller à la suite. On va mettre des ici. On va profiter du fait qu'on a de la nitro pour bien accélérer. Alors ce circuit, je l'ai déjà fait, sauf qu'on l'avait fait en mode journée. Enfin, moi je l'avais fait en ligne. Hein. C'était le premier circuit sur lequel on avait le choix. Enfin attention, ça circuit pas facile. Oh décidément, Lia là, elle m'ennuie un peu. Allez, allez, essaye de nous bouchonner. C'est un circuit assez technique. Bon, un peu moins technique que celui qu'on a vu avant, mais quand même. C'est parti. Et là, le fait d'être de nuit, bah, ça va un petit peu gâcher la visibilité, donc on va avoir un peu plus de mal à anticiper les trajectoires. Mais ça devrait bien se passer parce qu'on a quand même des phares assez puissants, comme vous pouvez le remarquer. Là, on est en plein phare x10. Voilà, prise de virage magnifique et on va se planter. Non, c'est bon. Alors, j'aurais pu aller à la droite, d'ailleurs, c'est ce que nous allons tenter plus tard. J'espère qu'on va pouvoir débloquer des choses quand même. Oh là là, ben, j'ai pris le mur. C'est pas grave. Allez, on va accélérer. Eh, le jeu paraît facile, mais vraiment, hein, il faut quand même prendre trajectoire, pas se prendre les bords de mur. C'est totalement logique. Hein, ouais. Je montrerai aussi le mode half résolution, demi-résolution. Je sais pas ce que ça va donner cette histoire, mais ça paraît quand même étonnant. Ça sera quand même beaucoup mieux. On est premier. Olé. En fait, ce qui est marrant, c'est que comme il y a des voitures qui sont très lentes, elles ont gêné littéralement les pilotes de tête. Donc ben, ça va pas les rattraper d'un coup. J'ai envie de tenter de prendre un raccourci. Enfin, un raccourci, prendre à droite. Mais il faudra peut-être au dernier tour. On est déjà au dernier tour, donc en fait, je pourrais pas le faire. Ouais, ça fait quand même beaucoup plus simple. Gros virage à l'intérieur, hop là. Bon, les effets de lumière sont plutôt corrects, même sur la carrosserie. Bon, c'est vieilli, bien sûr, mais. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Heureusement qu'il me restait de la nitro, sinon je finissais pas premier. Et je gagne 7000. Quand même pas mal. Et grâce à mes 7000, on va pouvoir améliorer tout ça. Alors, soit je économise et j'essaie d'acheter cette voiture-là, mais bon, apparemment, on n'a toujours pas débloqué. Donc ce que je vous propose, avec 7000, on va améliorer tout ça. On va améliorer l'accélération, on va améliorer la top speed. Et on va rajouter la nitro. Allez, jusqu'au bout, hein. On a une nitro tout le temps. Et c'est parti. Alors ça, c'est la race 1, la race 2 et la race 3. On va prendre la race 3. L'avantage de la race 1, c'est comme on a gagné de l'argent qu'on a mis dans la voiture, c'est peut-être plus facile pour remporter la première course. Ok, ça commence super bien. Vous avez vu la vitesse à laquelle elle va, la voiture devant, on dirait qu'elle ralentit tout à l'heure. Voilà, je passe dessus hein, complètement. Donc là, il faut vraiment que je tourne. Ça fait n'importe quoi. Parce que c'est aussi ça le piège hein, dans les voitures très rapides, c'est que ben, on va se planter plus facilement. Beaucoup plus rapide. Et là on le sent que la voiture est quand même plus nerveuse.
Oh bon sang! Ah oui, quand même. Voilà, on est 10ème, on est vraiment très loin. On va essayer de rattraper le groupe de tête. On est dans la partie sinueuse. On va accélérer là. Bon, je le redis, hein, le maniement est quand même vraiment sympa. On s'éclate pas mal avec les dérapages. Regardez comment je tourne. Je suis en drift constant. Par contre, j'ai perdu un tour pour rattraper les voitures devant moi. Alors, l'avantage, c'est qu'elles sont beaucoup. Aïe. C'est qu'elles sont beaucoup. Je vais essayer de freiner. Voilà, passer à l'intérieur, c'est parfait. Ouh, alors là, par contre, vous voyez, regardez ce que j'ai à droite du boost de la nitro. J'ai un nitro maximum, j'ai l'impression. Oui, elle a vraiment bien marqué, bien marché. Je trouve. Oh là là là, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Pour l'instant, ça passe. Je sens que je vais me planter dans pas longtemps. À fond, mais je suis quand même que 7ème. Allez, on revient sur le groupe. On est 6ème. Ouais, j'ai freiné. Et du coup, on a pu prendre l'intérieur largement. J'utilise un nitro comme je peux pour essayer de rattraper le plus vite possible le pilote devant moi. Et on est 5ème. Oh, ce jump. Est-ce qu'on va pouvoir les rattraper par contre? Ça, c'est autre chose. Alors, je donne tout ce que j'ai. Nitro à fond. Et je suis à fond et pourtant j'arrive pas à la rattraper. C'est vraiment un maximum, maximum. J'ai pas eu trop de temps en fait avec le crash au départ. Mais non, du coup on va finir 5ème. Eh, vous avez vu quand même qu'il y a des courses qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Hein. Par exemple la course 2, bon, elle était vraiment facile. Le deuxième, la première et la troisième, mais alors pas du tout. Et donc on va se retrouver à recommencer une course pour terminer dans les 3 premiers. Il faut à chaque fois finir dans le top 3, j'ai l'impression. On va la retenter. Écoutez, on va essayer comme ça. Je vais vous montrer après le mode half et puis on s'arrêtera là. De toute façon, on va y assister pendant des heures. Je ne la sens tellement pas cette course, j'ai l'impression que je suis... Voilà. En tant qu'on est trop rapide, c'était ce qui allait arriver. Excusez-moi. Ah d'accord, en fait je viens de comprendre. Si on passe par la partie cache, on récupère 500$. Mais bon à savoir. J'ai tant de raccourcis cette fois-ci. On va voir si on peut... Ah bah non, mais encore une fois je me suis loupé. Tout ce que t'as. Oh là là, c'est n'importe quoi. Je ne fais que me prendre toutes les bagnoles. Oh non, mais ça. Ah non, ça par contre, je refuse catégoriquement ce crash. J'avais pris l'inter en me disant, bon bah c'est cool, je vais pouvoir gagner un peu de temps, je vais être bien dans la trajectoire. Et en fait, non, le jeu n'a pas voulu. Non, mais là c'est pareil, c'est pas possible. Alors là, je voulais s'imaginer quand on aura les voitures au maximum. Je pense que chaque course va être très compliquée. Enfin, je me demande si vous pouvez pas laisser la voiture au minimum de ses compétences pour après, justement... Voilà, c'est bordel, c'est parti. Alors ce qui est bien, c'est que le jeu ne souffre d'aucun ralentissement aussi.
On a une fluidité qui est quand même très très bonne. Voilà. Après, le reste, vous en jugerez par vous-même. Je trouve ce jeu plutôt sympa. Voilà, bon, c'est pas le jeu de l'année, loin de là, mais je trouve qu'il se défend vraiment. C'est beaucoup mieux que Top Gear Rally 1. Le 2, c'est différent. C'est vraiment un Top Gear différent, donc j'expliquerai pourquoi. Ouais, je m'y attendais, j'ai même planté. Je pense que ça sert à rien, faut que je recommence à nouveau. On va la retenter. Et si on soupe, bah c'est pas grave, on fera autre chose. Hein. On ira jouer aux billes. Ouais, on va pas se faire avoir. On prend le cash. Yes, ça sent de nous. Donc on connaît les endroits maintenant où il va falloir faire gaffe, donc on va faire attention. Et on va compter sur le talent pour quand même rester rapide. Oh là là, on se sent. Ah bon, je peux comprendre quand même que la voiture elle se crache au bout d'un moment, parce qu'on est tellement rapide maintenant par rapport au départ. On va bien. Il a pas compté comme un accident. Hop, allez, on va peut-être y arriver enfin. Il a pas trop intérieur sinon il n'accepte pas. C'est vraiment du drift, hein, c'est ça. Je pense que Ridge Racer à côté. Ah, bah oui, je le savais, pourquoi j'ai fait ça. Ah, finalement j'ai pas eu le cash, c'est dommage. Planté une fois, je pense que ça peut quand même être jouable, mais ça va prendre une première fois. Par contre, vous avez vu devant, ils sont très très loin. Surtout qu'en plus, il faut finir 5ème, il faut finir 3ème celle-là, mais sur la 3ème aussi pour ça. Okay. Oh non. Je refuse. C'est quand même vraiment dommage parce que là, c'est vraiment dommage parce qu'on était plutôt bien parti. Pour remonter, ça va être compliqué. La slap. Allez, donne tout ce que t'as pas. Ouais, quand même que la nitro, ça reste limité. Il n'y a pas non plus d'énormes avantages à utiliser. Allez, on a pris la 4ème place. Raté la 3ème position. Oh, attention, on passe par avant. Eh, c'est faisable. On est passé 3ème, mais lui aussi. Allez, pas de bêtises. On sait que là il faut aller doucement pour pas se planter. Voilà. Hop, on virage ici, on accélère. On va arriver quasiment à la fin du circuit. Je n'ai plus de boost. Là, je fais attention à la réaccélération. Eh ben on aura réussi, enfin. Après 4 tentatives, même plus que 4 tentatives. Je vais améliorer le handling, on va améliorer l'accélération. Et on va donc retenter une dernière fois la course 3. Alors oui, ce que je voulais faire aussi... on va faire done. On va revenir en arrière, on va pas la faire tout de suite. Retenez bien cet écran, voilà. On va faire sortie. Et je vais mettre en mode Alf, vous allez voir. Alf, voilà. Demi. Championnat, one player. On garde celle-là. Et on va faire la 3ème course. Et d'ailleurs, Alf, ce que ça donne? Ce n'est pas ce que j'appelle de la 3 résolution. Vraiment, c'est dégueulasse. Donc on va remettre la résolution de base. Off.
championnat intérieur. Et on va donc retenter celle-là. Race 3. Il n'y a que 3 courses, hein, de toute façon. Ouais, 3 courses. Okay. Allez, on va retenter ça là. Une dernière fois. Et puis, on se laissera là-dessus. Ça là, normalement, elle est faisable. Il faudrait juste pas se planter dès le début comme je fais à chaque fois. Voilà, on va essayer de couper bien au milieu. Hop, on freine, on prend cet intérieur, on met un petit peu de boost. Aïe, pour ressortir bien. Et c'est parti. Voilà, n'importe quoi. Alors, vous avez vu, j'ai acheté du boost tout à l'heure, j'avais 9 boosts. Mais, les boosts que j'ai acheté m'ont pas coûté très cher. Mais vous avez vu que ça se cumule pas, c'est-à-dire qu'en gros, là, je recommence une course. Et eh ben les 9 boosts que j'avais au départ, je les ai plus. Je repasse avec 3 boosts. Je vais en acheter à chaque course en fait. Pour faire le stock toutes les courses. Allez, 3, c'est faisable. Ça pourrait finir sur une bonne touche, ça serait cool. Après voilà, si on passe par des côtés, ici si on prend des trajectoires et qu'on passe par des sortes de checkpoints, et eh ben on débloque certains trucs. On va débloquer de l'argent tout à l'heure, on peut débloquer de la nitro. Donc il y a aussi un petit peu stratégie sur le circuit, c'est-à-dire je vais pas prendre la trajectoire optimale des fois mais pour récupérer un item. Bon alors allez voir ça. J'ai ralenti, j'ai vraiment fait exprès de ralentir parce que c'était évident que ça allait pas passer. Je fais n'importe quoi. Allez, on réaccélère, mais je vais me prendre un mur juste derrière, c'est un peu con. C'est pas grave. Et on est revenu septième. Il y a qui aussi les boosts. Oh là, oh, il est parti dans le mur. Bah, je pense qu'il est mort. Ah ouais, hop, j'ai pris un petit peu la partie droite. J'ai pris un petit boost. Qui sert pas à grand chose en fait. Puisque j'aurais dû prendre l'accélération et pas en pleine vitesse. Allez, on remonte, mais on reste pas beaucoup de tours quand même. Bon. Voilà, je suis passé entre les deux. Je suis passé entre les deux, mais ça sera pas suffisant. Ah, ils sont loin. Fou, c'est difficile. Allez, on est passé. Aïe. Ça peut le faire. Je sais pas si c'est des pilotes à un tour ou à moins. Et finalement on l'a pas eu. On est troisième. Oh non, c'est pas le moment de se planter. C'est pas le moment là, il faut. À troisième place, c'est ce que je voulais avoir absolument. Pour les rattraper maintenant, ça va être horrible. Je suis complètement. Ouais voilà, bon là c'est fini. Je crois que c'est l'échec. Ouais, je pense que c'est l'échec. On est à la fin du circuit, je suis sixième. On avait failli réussir. Non, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Malheureusement, c'est trop tard. Je les vois, hein, le circuit n'est pas encore fini, mais le deuxième est déjà en train de pencher la ligne. Écoutez, on va tenter une dernière fois, promis. Après, on se laissera là-dessus. Je vais quand même vous montrer ce qu'on a à la fin. Ce serait dommage, on a fait quand même 39 minutes de vidéo, de s'arrêter sur un échec comme ça. Donc on va essayer de faire mieux cette fois-ci. Ouais, tout destructible, même le bateau, hein, si je lui rentre dedans, je peux le casser en deux. Voilà, donc si vous êtes CRS, vous allez casser les choses en deux, bah, vous pouvez jouer à ce jeu. Non, j'ai... Ah, ah bah, ils se sont touchés tous les deux. Le problème, c'est qu'ils me ralentissent vraiment, les deux de là. Oh, alors, la voiture, n'importe quoi. Vous voyez quand même, comme il est beaucoup plus... Sur ce circuit, comme il est beaucoup plus... expliquer ça. Sur ce circuit, il est beaucoup plus... il nous laisse beaucoup plus d'optimisme en fait au niveau des chocs. On vole beaucoup plus loin, on tape beaucoup plus vite. Mais ça passe. Alors que sur le circuit d'avant, bah, la moindre écartade, bah, c'était pas bon. On disait qu'on avait explosé la bagnole. Allez, un petit peu de nitro. On est sixième. Alors le top 4 est assez loin pour le moment.
on passe à travers, on accélère, sauf qu'évidemment, voilà, je m'en serais douté, je me suis pris la remontée. Vous voyez, un raccourci à gauche, je l'ai pas pris encore, j'aurais dû peut-être l'essayer. J'aurais montré zéro raccourci en fait dans tout le jeu, c'est un petit peu dommage. C'est quand même aussi un aspect du jeu intéressant. Ouais, j'ai encore récupéré un nitro, on va pas utiliser ici. On utilisera leur accélération. Voilà. Prise de virage parfaite. On passe les deux retardataires les plus lents du circuit. On est dans le dernier tour. Allez, c'est le moment ou jamais de prendre la troisième place. Là, je ne prends pas de boost parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça m'a planté. On est passé par-dessus le deuxième. Jusque là, c'est magnifique, c'est un bon plan. Non ! Ah, j'ai utilisé deux fois le boost. N'importe quoi. Allez, on passe la quatrième. Ah, il faut absolument qu'on dépasse le troisième. Allez, ça peut le faire, ça peut le faire. Concentration maximale, j'ai gagné un petit boost, ça va nous aider. L'IA utilise le boost avant moi, mais je vais quand même le dépasser dans le virage. Là aussi, parfait, on est deuxième. Allons-nous débloquer enfin quelque chose sur cette coupe? Et bah oui. Enfin. Enfin on y sera arrivé. Et ben voilà. Alors on a 7000, on va faire donne. Et on a encore une quatrième course. Donc en fait la saison 2 n'est pas finie. Bah écoutez, je vais vous montrer cette course là. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Une course en ville. Donc, on va changer un petit peu. Alors dès le départ, on a un peu de boost pour repasser les deux premiers. Et vous voyez quand même, c'est la particularité de Top Gear en général, c'est qu'on part, en même temps que les autres, mais pas toujours. Par exemple, dans le 2, vous verrez, on part chacun à notre tour. Et bah, ici, c'est pareil en fait, dans cette manière. On part en même temps, mais vous aurez compris que devant nous, bah, ils sont déjà très très loin. Ils ont énormément de virages d'avance. Et du coup, c'est une remontée, un peu comme à la Sega Rally. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Il y a un énorme virage. Le circuit m'a l'air quand même plutôt pas mal. On va essayer de voir. Voilà, par contre, des collisions des fois. Alors, le jeu est sorti en 98, donc pas en fin de vie de la 64, puisque la 64 quand même est sorti en 96. La fin de vie, on va situer plutôt à 2099. Mais plutôt dans la période voilà, où d'ailleurs Nintendo n'allait pas très bien. Heureusement que Pokémon a sauvé de toute manière Nintendo. Hein. Mais pour un jeu de 98, je trouve quand même qu'il est plutôt bien réussi. On pourrait le comparer d'ailleurs à Need for Speed 3, puisque Need for Speed 3 était sorti la même année. Et niveau graphique, ben on est bon, hein. On est bon. Ça manque peut-être un petit peu de détails quand même, ce tracé, voilà, c'est ce qu'on pourrait vraiment lui reprocher. Mais pour le reste, franchement, c'est cool. Et là, j'ai pas pris la partie droite, donc du coup, on n'aura pas de bonus. Bon, ce qui me dé... là où je suis un peu déçu, c'est que pour l'instant on n'a pas débloqué de voiture. J'imaginais vraiment qu'on puisse le faire dans cette vidéo. Je pense que ça va être impossible, à moins que là, je ne prête pas un mur. Je sais pas où j'allais dire, à moins que là on termine 3ème, mais à mon avis ça va être compliqué. Le circuit est long, ça reste possible. On va voir. On a quand même énormément de retard. Vraiment... J'aime ce genre de... Voilà, ça c'est les sauts vraiment de la mort. Ça c'est cool, franchement je trouve ça cool. Sachant que quand on est en saut, on peut orienter légèrement la voiture. Vous n'avez pas remarqué, mais on peut impacter un petit peu la retombée. Alors c'est léger, hein. C'est pas vraiment énorme. Bon là on a dépassé les deux coccinelles qui servent à rien. Je l'avais vu, Beetle, hein, du coccinelle, j'aurais compris.
Ah, pour les rattraper quand même, ça va être compliqué. On est à fond. Ouais, il faudrait faire zéro erreur. On va passer par là cette fois-ci. Allez, j'ai pris un raccourci dans la vidéo. N'oublie pas de filmer. Non, je rigole. Mais voilà. C'est pas vraiment raccourci d'ailleurs. J'ai pas eu. Non, 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 pas encore. Oh, c'est bon. Ah, je suis en train de les remonter. Hein. C'est peut-être faisable. On a la moitié du circuit. À la fin, on va arriver dans la partie lente. Et apparemment, là, il y a un raccourci. On va pas aller tout droit, je crois. Non, il y a encore un virage et après, c'est les gros boss. Non, c'est là où il y a les gros boss. Donc, on va aller à fond. Ah, je vois pas comment on va faire pour les rattraper. J'ai plus de boost, j'ai plus rien. On arrive à la fin du tracé. Allez, vas-y, bouffe-le, bouffe-le, bouffe-le. La ligne droite est là. Ah, c'est dommage, on va finir 5ème. Bon, mais écoutez, vous n'aurez pas la suite. C'est bien dommage, c'est bien dommage. À moins qu'il me l'accepte, on sait jamais. On va voir. Eh non, il va pas me l'accepter. Et donc, du coup, eh ben, on va recommencer. Tout simplement. Donc, je vais pas vous remontrer, vous avez bien compris le système du jeu de toute façon. Donc c'était Top Gear Overdrive sur Nintendo 64, un jeu que j'aime plutôt quand même, hein, je trouve que c'est un jeu plutôt sympa. Je vous conseille de l'essayer, c'est un jeu qui vaut le coup. Pour le jeu solo évidemment, multi on faudrait voir avec d'autres personnes. Mais voilà, graphisme correct, maniement intéressant, assez fun. Des circuits plutôt complets, il y aura pas mal de contenu au niveau du circuit en tout cas, ça c'est bien. Plusieurs modes, mode pluie, il y a la gestion des. Comment dire. Du type de tracé, c'est-à-dire la glace, l'eau, la boue. Donc c'est un jeu plutôt pas mal, voilà, que je pourrais vous conseiller si vraiment vous aimez la série des Top Gear. On essaiera un peu plus tard le Top Gear 2 et vous verrez donc ce que ça donne. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde!